Toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une très très courte vidéo sur Microsoft Edge et comment changer le moteur de recherche par défaut. Alors, maintenant qu'on va déjà lancer Microsoft Edge, alors ici dans mon cas, c'est Google qui vient par défaut. Alors je voudrais le changer parce que j'en ai un petit peu marre de Google et je voudrais le changer pour le moteur de recherche Quant. Donc je vais venir ici sur les trois petits points, donc tout en haut à droite. Je vais faire un clic gauche dessus et ensuite je vais venir sur Paramètres. Donc vous voyez ici j'ai Google. Donc là, je voudrais le changer. Donc là, je vais cliquer soit sur le petit crayon, soit je peux le supprimer. Voilà. Et je vais rentrer une nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle URL, c'est-à-dire l'adresse internet du site. Donc là, je vais mettre www.quant.com. Je ne vais pas oublier d'appuyer sur enregistrer. Et pour que ça fonctionne de façon optimale, je vais de nouveau venir sur afficher les paramètres avancés. Alors vous voyez ici, j'ai pas de petite maison par défaut avec Microsoft Edge. Je voudrais que le bouton d'accueil soit réactivé. Donc je vais activer ceci. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, je vais choisir une page spécifique et je vais rentrer de nouveau la même page, www.quant.fr. Je vais enregistrer. Alors on peut en rajouter une ou plusieurs. Mais pour l'instant, nous, on va se contenter d'une seule page. Donc là, je vais refermer tout. Je vais relancer mon navigateur internet Microsoft Edge. Et ici, c'est quant.com qui démarre par défaut. Si je fais une recherche, par exemple Quimper, hop, là sur le faïence de Quimper. Donc là, j'arrive sur un site. Si je rappuie sur la petite maison, domicile. Je reviens sur la page Quant. Cette très courte vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.